Welcome, bonjour. Bienvenue à cette table ronde intitulée Vers des villes autrement résilientes. Je suis Andy Garcia et je suis votre support technique pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vais mettre ma caméra. Je voudrais, on est déjà là pour commencer à préparer justement la table ronde pour 17h, enfin 17h chez nous et puis pour vous 11h. 11 h, oui. Et il faudrait inviter les deux autres personnes qui vont présenter parce qu'elles n'arrivent pas à se connecter. OK, merci de me l'aviser, je vais le faire. Merci beaucoup. Oui. OK. Thank you. Bonjour, John. Ah, Géraldine est là. Bonjour, bonjour Patricia. Bonjour Jeanne, très heureuse d'être là. Bon. On a déjà réussi à déjà être présents ensemble. Oui. Géraldine est là. J'ai fait des problèmes à vous écouter, mais je pense que c'est un problème purement technique. Maintenant, je mets les haut-parleurs. Ça va D'accord. fonctionner. Bon. J'espère que Kamala va réussir à nous rejoindre. Kamala n'est pas encore dans la salle principale. Si elle était dans la salle principale, je l'aurais affectée, mais elle n'est pas encore arrivée. Ok, je vais lui dire. Oui, merci beaucoup. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? John,
Je ne... Oui. Je ne sais pas comment est-ce que tu... oui, je te tutoie. Ça va. Ça va. C'est plus facile. Hein. Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on procède? Est-ce que tu veux faire l'introduction? Est-ce que j'ai préparé quelque chose? On peut... Comme tu veux. Non, mais je pense que c'est toi la conceptrice de cet événement. Donc, je pense que c'est mieux que tu fasses l'intro. L'intro. Okay. Et j'aurai des commentaires, évidemment, oui. comme tu sais. Très bien. Très, très bien. On est là pour discuter. C'est ça qui est intéressant. Oui. Oui, toujours. Mm. Alors, Kamala Marius n'est pas encore là? Non. Mm. Je ne sais pas. Hier, on avait beaucoup de difficultés à rejoindre les salles. Ah. On n'arrivait pas. J'arrivais pas, sauf à me faire inviter. C'est-à-dire les salles breakout, les breakout? Oui, oui, oui. Parce que j'arrivais dans la salle principale, mais après, impossible. Ouais. En bas aujourd'hui, de l'écran. Très bien. Aujourd'hui, très bien. Ah. Mais j'espère que Kamala arrive. Je vais essayer de l'appeler. C'est plus simple. Bonjour, bonjour, John Zacharias, vous m'entendez? Oui, 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 je vous entends. Bonjour, bonjour, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de discuter de la table ronde.
Donc vous travaillez actuellement en Chine, nous a écrit Patricia Zander, je crois. Oui, oui, je suis professeur à l'université Peking University, BEDA, à Pékin. C'est ça, depuis 8 ans. Je ne suis pas pourtant un spécialiste comme vous, mais vous trois. Mais tout de même, j'ai fait des travaux sur des petites communautés urbaines dans le sud de la Chine qui s'organisaient pour faire face à certaines initiatives de la part du gouvernement. J'aurai peut-être des commentaires là-dessus ou le lien peut-être assez faible avec vos travaux, mais néanmoins, il est là. D'accord, merci beaucoup. Oui, juste pour dire que Kamala est dans la salle apparemment, principale. Et si on pouvait aller la chercher, moi, je n'y arrive pas. Oui, je l'ai affectée à cette salle. Elle est super. Déjà là. Ouais. Super. Ah, parfait. Merci beaucoup. La voilà. Kamala. Voilà, voilà, je suis là. Ouais. Bonjour. Bonjour Kamala. Bonjour. En Bretagne, ça ne marche pas toujours très bien, comme il y a tellement de monde. Voilà. Parfait. On va peut-être attendre. En Bretagne et non pas à Strasbourg. Oui, je suis en vacances là quand même. Ah, bon. Ah oui, c'est la période des vacances. En France, oui. Oui, ouais. Ici aussi, c'est la saison où tous les chantiers de construction arrêtent pour 2 semaines. Oui, ici aussi. Ah ouais, bon. Ici pour 2 mois. Oh, deux mois. Ah bon. Ouais, juillet et août. C'est bien. Donc, heureusement, ça marche parce que il y a tellement de monde en Bretagne. Ah bon. Donc, les Français se sont dirigés vers la Bretagne pour profiter oui, de beaucoup, la... Oui, beaucoup, oui. Bretagne ah. Sud, moi, je suis... Ouais, c'est une belle région. Hein. Oui, oui, oui. J'ai déjà visité. Ouais. Géraldine, tu es où? À Chamonix. Ah oui, d'accord. Il y a du monde aussi. Oui, oui, oui. Il y a du monde. Oui. Un petit peu moins que d'habitude, mais oui. Oui, oui, tout ouais. À Et toi, Patricia? Ah ben moi, je suis à Strasbourg. D'accord. Je suis chez moi. Enfin, je pourrais être comme vous ailleurs. Ça ne change strictement rien. Ça va se passer comment? Donc, les gens, normalement, ont écouté notre présentation, c'est ça? En fait, on va les diffuser. On va diffuser les présentations successivement et après, on aura une discussion à partir de là. Sachant que, on va le dire, le sujet, c'est bien la résilience. C'est ce qui nous a réunis. Je ne sais pas si on démarre. Qu'est-ce que vous en pensez? 17h pile. Oui. Oh. Oui. C'est l'exactitude dont se vantent les Français. Donc, si vous voulez, on peut commencer, à moins que vous pensiez qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Je pense que la meilleure chose, c'est d'y aller pour conserver un peu de temps à la fin pour la discussion. Je suis d'accord. Et on va donc commencer. Alors,
comme on s'est mis d'accord avec John, je vais peut-être faire l'introduction justement de cette table ronde, de ce qui nous réunit aujourd'hui. D'abord, remercier les organisateurs du colloque, remercier la possibilité que donne effectivement cette ICASU 4 2021 pour discuter de ces questions des villes aujourd'hui, des métropoles aujourd'hui, en particulier de cette question de la résilience. Alors, très, très brièvement, je voudrais juste nous présenter toutes les trois avec ce qui nous réunit, c'est que nous sommes toutes les trois géographes et que nous travaillons en fait sur des problématiques urbaines avec une entrée sociale. Et c'est ce qui nous a plu aussi dans cette possibilité qui nous est donnée, ben, finalement, de confronter aussi nos terrains et nos approches et nos visions aujourd'hui de la ville, de la métropole ou des métropoles au XXIe siècle dans ce cadre de l'ICASU. Alors, on se présente en fait à chaque fois dans les petites vidéos qui vont être diffusées, mais je vais juste rappeler simplement que Géraldine Jament est donc géographe, maître de conférence habilitée à diriger les recherches, qu'elle est membre du laboratoire SAGE de l'Université de Strasbourg, je vais laisser tomber les acronymes. Elle est aussi chercheuse associée à l'ERST, c'est une équipe pluridisciplinaire, en tout cas interdisciplinaire, de recherche sur le tourisme de l'Université Panthéon-Sorbonne. Kamala Marius est également géographe, maître de conférence habilité à diriger les recherches à l'Université de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne. Elle est membre du laboratoire LAM et elle est également membre de l'Institut français de Pondichéry. Bon, puis moi, je suis également géographe, également maître de conférence habilité à diriger des recherches, membre du laboratoire SAGE de l'Université de Strasbourg. Alors, ce qui nous a réunis et ce qui nous a interrogés, c'est l'idée de la résilience urbaine. J'ai envie de dire, le titre n'est peut-être pas si juste, en tout cas, c'est l'idée de la résilience urbaine par les classes populaires, par les populations modestes, j'aime pas l'expression, mais on l'emploie souvent, par le bas, une résilience par le bas, en fait, par cette population ordinaire, entre guillemets, cette ville ordinaire qui a été travaillée notamment par Jennifer Robinson. Et donc, on a eu l'idée et l'envie de discuter le concept de résilience lui-même en présentant des cas différents, avec des sources, des formes différentes de résilience qui prennent en compte finalement justement les classes populaires, les classes ou les populations à faible revenu. Et cette population, elle est mobilisée ou elle se mobilise à travers des politiques volontaristes ou à travers des processus qui sont ici présentés évidemment très rapidement au travers des vidéos. Alors, ce que je vous propose, c'est de suivre le programme tel qu'il est affiché. On peut commencer par Géraldine Jament, lancer la vidéo. Je ne sais pas, John, est-ce que tu te présentes aussi pour expliquer aussi ta présence et puis l'intérêt que tu as, et je te remercie vraiment d'avoir accepté aussi d'être discutant aussi et d'organiser avec moi cette table ronde. Mais est-ce que tu veux dire deux mots et puis on enchaîne après sur les vidéos? Oh, très brièvement, comme j'ai déjà mentionné, je suis professeur à l'université Peking University à Pékin. Et depuis 2012, en fait. Donc, je travaille surtout sur le développement urbain en Chine. Et parfois, en ce qui concerne les communautés en mutation, les villages urbains, comme on les appelle, sous la menace de redéveloppement ou sur la promesse de redéveloppement dans certains cas, et d'autres communautés qui s'organisent eux-mêmes face à une situation où il n'y a pas vraiment de possibilité de s'organiser localement, formellement. Donc ça m'intéresse aussi, comment les gens s'organisent quand il n'y a pas de structure formelle en Chine, à part,
à part le parti communiste et à part le gouvernement. Donc, ce sont peut-être les deux pistes qui me relient à vos sujets d'étude. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut lancer la vidéo de Géraldine. Et peut-être qu'après cette vidéo, Géraldine, mais trois mots, si tu veux dire trois mots pour compléter, mais vraiment que ça soit très court de façon à ce qu'on puisse laisser vraiment la place à la discussion, si tu veux rajouter, mais c'est une option. D'accord, merci. Alors, bonjour à tous. Je vous propose d'aborder la résilience urbaine au prisme d'un triple décentrement par rapport au discours officiel concernant les villes durables et résilientes. Ce triple décentrement, issu d'une démarche de géographie sociale, passe par une conception de la ville ordinaire de tous les citadins dans la métropolisation. Passe par une conception critique de la durabilité et de la, ou plutôt des résiliences urbaines, ici abordées dans leurs enjeux non pas ou non seulement environnementaux, mais surtout sociaux, et par une entrée par la patrimonialisation relativement originale. Les concepts de patrimonialisation et de résilience, en son sens étymologique de rebond vers l'arrière, présentent en effet une même structure temporelle consistant à puiser dans le passé pour se projeter vers l'avenir. L'hypothèse que je souhaiterais vous soumettre aujourd'hui est celle d'un scénario de résilience métropolitaine par la patrimonialisation que j'aborderai ici à travers le cas de la récente et paradoxale patrimonialisation du logement social. Cette hypothèse théorique est étayée par deux terrains populaires situés en banlieue nord de Paris, la cité-jardin de Stein, au nord-est de la carte, et le grand ensemble de la Maladrerie à Aubervilliers, commune limitrophe de Paris, au sud-est de la carte. Ces deux quartiers appartiennent à Pleine Commune, intercommunalité construite à partir du début des années 2000 par les communistes dits réformateurs. Ce territoire historiquement marqué par l'industrie constitue en effet un laboratoire d'une précoce et active patrimonialisation et mise en tourisme en banlieue, voire de banlieue, c'est-à-dire revendiquant une identité banlieusarde. Ma méthodologie repose sur des entretiens semi-directifs et sur de l'observation participante lors de visites ou d'animations organisées dans ce quartier. Ces deux quartiers, très majoritairement constitués de logements sociaux et végétalisés, permettent de mettre en perspective historique et de relativiser les actuels discours sur la durabilité urbaine. Les réflexions urbanistiques sur les relations ville-nature remontent au moins à la fin du XIXe siècle, comme l'illustre le courant des cités-jardins initié par le socialiste réformateur britannique Ebenezer Howard. Comme le soulignait dès 2013 la chargée de mission touristique de la cité-jardin de Stein, la cité-jardin revient à la mode avec le développement durable et les écoquartiers. À la Maladrerie à Aubervilliers, une charte éco-citoyenne a été proposée par un groupe d'habitants considérant les jardins du grand ensemble comme un patrimoine paysager et architectural, un bien commun et appelant à la résilience à la fois de sa biodiversité, mais aussi et surtout conjointement d'une vie de quartier solidaire. La cité-jardin de Stein constitue une adaptation en région parisienne du courant international d'urbanisme initié par Ebenezer Howard. Sous l'égide du socialiste réformateur Henri Sellier, l'Office public d'habitation à bon marché de l'ancien département de la Seine a fait construire plusieurs quartiers-jardins pour structurer la banlieue et proposer un logement social de qualité, comme on le voit sur la carte en haut à droite.
Astin, sur l'emplacement de l'ancien château, comme on le voit en dessous, les architectes Eugène Gonod et Georges Albinck ont créé entre 1921 et 1933, en style art déco, un quartier de petits collectifs doté d'équipements et d'espaces verts autour d'une place centrale et de pavillons avec jardin, initialement pour loger les ouvriers travaillant dans les usines de Saint-Denis ou de la Courneuve. Beaucoup plus récent, le grand ensemble de la Maladrerie constitue une déclinaison de l'architecture renaudienne. Renée Gailloustet, architecte encore vivante, y a dirigé entre 1975 et 1984 la construction pour l'office public d'HLM d'Aubervilliers d'un quartier comparable au centre-ville qu'elle avait réaménagé avec Jean Renaudy à Ivry-sur-Seine, avec ses immeubles typiques en étoiles, ses vastes espaces verts et ses terrasses-jardins. Son architecture non standardisée a été dès le départ conçue pour être achevée par l'appropriation des habitants via la végétalisation de leur logement. Ces deux quartiers, historiquement ouvriers, connaissent une crise dans la nouvelle étape du capitalisme. Fort chômage, plus de 20%, importante précarité, surtout à la Maladrerie, où environ 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. En outre, certaines politiques nationales du logement, qui tendent à réserver le logement social aux plus démunis et à favoriser l'accession à la propriété, fragilisent ces quartiers qui connaissent certains problèmes dans la vie quotidienne. Avant sa rénovation, la cité jardin de Stein souffrait d'usage illicite des jardins collectifs et d'intrusion dans les jardins privés. À la Maladrerie, certains jardins, comme vous le voyez sur cette photographie, sont délaissés, voire dévégétalisés. Cependant, la patrimonialisation de ces quartiers de logements sociaux est permise par une récente patrimonialisation. À la cité Jardin de Stein, le processus patrimonial commence par une protection institutionnelle dès 1976 avec l'inscription à l'inventaire des sites pittoresques de la Seine-Saint-Denis. Cependant, la résilience est surtout enclenchée à partir du début des années 2000 par une patrimonialisation par appropriation menée par l'Amicale des locataires, dont on voit ici le siège dans la photographie du haut. Ensuite, la patrimonialisation est surtout assurée par l'intercommunalité. Pleine Commune fait bientôt de ce quartier un fleuron de sa politique touristique et patrimoniale et y ouvre un local d'interprétation, local de Cité-Jardin, que vous voyez sur les photos d'en dessous, local qui structure également la vie de quartier, cette politique conduisant à plusieurs labellisations patrimoniales institutionnelles plus récentes. En revanche, à la Maladrerie, le grand ensemble atypique fait l'objet d'une forte patrimonialisation par appropriation. En 1995, des architectes ayant participé aux côtés de René Gailloustet à la conception du quartier, qui ont toujours leur cabinet que vous voyez sur la photographie du haut, créent une association, Jardin à tous les étages, visant à assurer la résilience de l'entretien des terrasses-jardins et à empêcher leur dallage. En 2008, ce grand ensemble bénéficie d'une reconnaissance patrimoniale institutionnelle au titre du label Patrimoine XXe siècle, mais qui n'assure pas de protection légale. Ces quartiers de logements sociaux de qualité présentent un modèle de résilience urbaine populaire fondé sur la patrimonialisation. Cette résilience est d'abord résilience d'un cadre bâti et végétalisé de qualité pour tous. La cité Jardin de Stein a connu entre 2006 et 2018 une réhabilitation respectueuse du patrimoine et des habitants sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France et avec l'active participation des habitants. Elle a permis d'améliorer le confort et les performances énergétiques des logements, de réaménager les voiries et les cœurs d'îlots, comme le montrent les deux photographies de droite.
à la maladrerie, la réhabilitation n'en est qu'à ses débuts et a été précédée d'un diagnostic patrimonial. En 2017, l'association Jardin à tous les étages a obtenu de devenir partie prenante de la rénovation du quartier, conçue pour assurer la résilience de l'entretien des terrasses jardins d'origine. Vous voyez à l'écran le livret qui était distribué aux premiers habitants. La résilience de ces deux quartiers est également symbolique. Les visites du quartier destinées aux habitants du quartier, de la métropole ou à quelques touristes, et les actions artistiques associées à la patrimonialisation, notamment à la maladrerie, quartier comprenant depuis sa conception des ateliers d'artistes, visent à nuancer, voire à inverser l'imaginaire territorial de la banlieue et du logement social qui, en France, est devenu aujourd'hui souvent dépréciatif. Et cette politique rencontre un certain succès. Cependant, l'essentiel réside peut-être dans la résilience d'un modèle social, celui de quartiers populaires dotés d'équipements sociaux et culturels, bénéficiant de nombreuses actions culturelles et sociales. Le succès est au rendez-vous à la Cité Jardin de Stein, quartier populaire mais pas insécuritaire, auquel les habitants sont attachés, quartier redevenu attractif après réhabilitation, tout en conservant des loyers abordables et quartier constituant la centralité municipale principale. À la maladrerie, l'association Jardin à tous les étages cherche à redonner à la population de la dignité, le goût du vivre ensemble, le sens du commun. La patrimonialisation assure, dans ces deux cas, la résilience à la fois du bâti, de la végétalisation et d'un mode de vie. Revendiquant un droit à la beauté pour tous, elle réactualise et transmet le modèle d'un logement social de qualité, voire expérimental. En conclusion, ces deux exemples montrent que la patrimonialisation peut assurer une résilience urbaine populaire, entendue comme transmission et réactualisation d'un modèle indissociablement urbanistique et social. Ces deux cas peuvent peut-être inspirer à une autre échelle des villes plus résilientes et surtout différemment résilientes dans la métropolisation. Ainsi, l'Association des Cités-Jardins d'Île-de-France, créée en octobre 2015, cohabitée par les Cités-Jardins de Stein et de Suresnes, développe un réseau régional, national, voire international. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention. Merci Géraldine, je vais pas... Je te laisse la parole tout de suite. Voilà. Merci Patricia. Vous m'entendez? Très bien. Oui. D'accord. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier les organisateurs du colloque, John Zacharias et Patricia Zander, ainsi que Kamala Marius, donc pour l'organisation donc de cette table ronde. Alors quelques mots en complément de ma présentation. J'ai souhaité interroger la résilience urbaine en ne la prenant pas comme une évidence, voire comme une injonction, mais en essayant de travailler donc un certain nombre de questions. Résilience de quoi? Résilience à quelles échelles spatiales et temporelles? Et aussi, question très importante, résilience pour qui et pourquoi? Et de ce point de vue-là, il m'a semblé qu'il était intéressant de croiser la question avec les publications qui traitent de la question d'habiter le patrimoine, pour reprendre l'intitulé d'un ouvrage dirigé par Maria Gravary-Barbas en 2005.
Donc, en croisant ces interrogations sur la résilience et cette approche de la patrimonialisation par son côté quotidien, j'ai proposé donc un scénario de résilience urbaine qui est un scénario de résilience par la patrimonialisation qui appelle bien sûr à d'autres comparaisons en France, en Europe ou dans le monde. Donc là, je lance bien sûr un appel à comparaison pour essayer d'étayer ou de discuter donc cette hypothèse d'un modèle de résilience s'appuyant sur la patrimonialisation, donc les deux concepts puisant dans le passé pour défendre une conception du présent et pour transmettre donc à l'avenir quelque chose. Et dans les cas que j'ai étudiés, donc il s'agit de transmettre un modèle social qui s'appuie sur un modèle urbanistique. Géraldine, peut-être qu'on va on va s'arrêter là peut-être pour continuer la discussion en croisant justement les idées. Je ne sais pas, on va si ça te va. Très bien. On va passer à la vidéo de Kamala. Ok. Super, merci. Bonjour, je m'appelle Kamala Margus, je suis maîtresse de conférences HDR à l'Université Bordeaux-Montaigne et chercheur à l'UMR LAM et chercheur associé à l'Institut français de Pondichéry en Inde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un travail que nous avons mené dans le cadre d'une ANR, le cluster industriel et résilience urbaine, un cas en Inde du Sud. Donc, il faut dire d'abord que l'Inde, c'est 13% de la production mondiale du cuir. Avant la pandémie, en termes d'exportation, cela représentait à peu près 5 milliards de dollars, avec les principaux marchés des produits du cuir qui sont les États-Unis, tout d'abord, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et la France. Il s'agit donc de ce cluster que vous voyez là, dans toute cette région-là, qu'on appelle la région de l'agglomération de Ranipet, qui regroupe toutes ces zones-là du cuir, sont ces villes principales et ces villages principaux du cuir où on y fabrique aussi bien des marques que vous connaissez tous, Timberland, Gabor, etc. Et donc ça se situe donc dans le Tamil Nadu et dans le district donc de Vellore. Alors, comme on peut le voir sur cette image, c'est une ville pas vraiment planifiée, mais la population actuelle, quand même, c'est près de 366 000 habitants, soit une augmentation en général de 2,80% par an. Donc, au départ, c'est une petite ville de 50 000 habitants située dans le district de Vellore, comme je l'ai dit, et ce dynamisme de la population, finalement, reflète le caractère du potentiel de l'industrialisation de cette région, puisque l'utilisation des terres affectées aux zones résidentielles et industrielles a presque doublé donc depuis 1991. Et le nombre de femmes exceptionnellement élevé par rapport aux hommes, ce qui est rare en Inde, peut s'expliquer par la migration donc des hommes à Chennai ou à Bangalore, qui sont beaucoup moins favorisés que les femmes en termes d'opportunités donc économiques. Cette région est bien reliée entre Chennai et Bangalore, puisqu'il y a aussi une autoroute, connue avant tout pour être parmi les agglomérations les plus polluées du monde, malgré la fermeture aussi par la Cour suprême des 96 de centaines de tanneries et d'une crise économique en 2008, elle connaît malgré tout une forme de résilience que nous allons travailler, d'abord au prisme même du concept, qu'entendons-nous par ville, par résilience. En effet, une des questions les plus ambiguës de la géographie économique aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi certaines économies régionales parviennent à se renouveler alors que d'autres sont restées bloquées ou en déclin. Donc, plusieurs géographes économiques américains entendaient d'adapter ce concept de résilience au développement économique régional, aux villes industrielles. Mais il y a beaucoup d'ambiguïté, en effet, parce qu'il n'y a pas de définition adaptée universellement.
en études urbaines en raison justement de la nature dynamique et complexe des espaces urbains. L'approche classique finalement de l'équilibre économique, définie comme la capacité à revenir à l'équilibre après un choc, n'est pas du tout appropriée dans ce contexte des villes industrielles, parce que l'approche d'équilibre signifierait dans un contexte d'un système urbain que plus résiliente est la ville, moins elle devrait changer au cours du temps. Donc contrairement à ce cadre explicatif assez étroit, Paek a élaboré une grille de lecture assez intéressante pour appréhender ces territoires résilients. Pour mettre à l'épreuve dans ce concept de résilience à l'échelle des petites villes, on va donc intégrer les dynamiques sociales, économiques, les questions de gouvernance, le marché du travail, l'utilisation des terres et l'environnement. Un autre atout intéressant aussi, qui peut favoriser la résilience, c'est ce qu'on appelle le capitalisme local. En effet, beaucoup de recherches ont conclu que les territoires dominés par de petites entreprises ont une plus grande stabilité que les territoires dominés par de très grosses entreprises. Un autre atout aussi qui peut expliquer la résilience de ces villes, c'est la présence de nombreuses travailleuses qui sont impliquées dans ces petites villes, malgré des salaires très bas. Cette conceptualisation de la résilience du point de vue de la géographie économique peut offrir un cadre d'intérêt pertinent pour lire les transformations, les changements, les adaptations de ces petites villes industrielles du Sud. Donc, ce cadre d'analyse préliminaire est basé sur 4 points qui seront pertinents pour notre étude, notre cluster, le rôle des politiques publiques, le capital social, le capitalisme local et le marché du travail. Donc, cette agglomération de Ranipet est intéressante, d'autant que ça fait des années que l'on travaille dans cette région. Pour cela, nous avons enquêté auprès de 200 entreprises pour comprendre la nature et l'organisation de ces entreprises, les rencontres, les contraintes aussi rencontrées, et des entretiens ont été réalisés auprès de tous les acteurs de ces clusters. Je pense aux directeurs des personnels, les associations d'exportateurs, les chambres de commerce, l'inspecteur du travail, etc. Et pour une meilleure compréhension du marché du travail, on a ciblé une enquête sur 400 ménages dans cette zone-là. Comme je disais aussi, entre 1979 et 1985, donc de 3 grandes sociétés parapubliques ont été mandatées par l'État pour justement aider les petites entreprises. On voit ces 3 entreprises-là, et la plus importante, c'est notamment Cipcot, dont le rôle est d'acquérir des parcs industriels, de verser des incitations aux industries notamment. Donc, née de la nécessité urgente aussi de lutter contre la pollution, plusieurs installations de traitement des eaux centralisées ont été planifiées dans le terminal Doubs et beaucoup d'usines de retraitement ont été développées, notamment, comme je l'ai dit en introduction, à la suppression de ces tanneries en raison de leur pollution extrême. Donc, elles ont Ranitech, par exemple, qu'on voit sur cette image à droite, et l'une des installations très importante puisqu'elle répond à toutes les contraintes et ça représente un progrès en termes d'environnement et elle regroupe 76 entreprises, 76 donc tanneries qui se sont reliées pour justement rejeter leurs eaux usées et que cette eau soit donc traitée. Dans ce cluster, nous avons aussi à peu près 355 unités qui sont réparties dans de nombreux sous-secteurs, la finition du cuir, le tannage, le produit chimique du cuir, les chaussures surtout. Voilà, donc on a estimé le chiffre de l'emploi qui est très élevé, notamment dans le secteur de la chaussure, et c'est quasiment 30 000 travailleurs rien que dans ce cluster, soit 43% de la population active qui est impliquée dans le secteur du cuir, notamment à cause des usines de chaussures qui regroupent par centaines des femmes des villages environnants. Il est intéressant aussi d'observer comment les entreprises locales familiales se sont installées dans ce cluster depuis très longtemps et ont transformé ce paysage économique, notamment l'entreprise donc familiale est très importante. La preuve en est que 90% des entrepreneurs, la majorité d'entre eux étant musulmans, vivent justement dans cette région-là. Seulement 6% d'entre eux vivent à Chennai, notamment dans la capitale donc du Tamil Nadu, à 100 km de là. L'accessibilité, notamment en termes de différents hôpitaux, universités, très connues, notamment à Vellore, hein, qui est donc la ville très proche, prouve bien que ces familles préfèrent rester sur place.
Depuis le début de l'industrialisation, aucune qualification particulière n'a été requise pour les travailleurs, notamment pour les femmes. Seul un niveau à peu près l'équivalent du brevet, je dirais, était nécessaire, sauf pour les musulmans, donc, puisqu'il y avait une préférence communautaire, sachant que bon nombre des patrons sont des musulmans et recruter donc des femmes qui souvent étaient très pauvres, dont les familles étaient très pauvres, puisqu'on sait qu'en Inde, les musulmans, souvent les familles sont assez pauvres. Là, on voit bien dans notre échantillon que 59 sont des cadres masculins et on voit bien que les travailleurs non qualifiés sont des femmes en majorité et surtout sont des travailleurs peu qualifiés et temporaires, comme on le voit ici. Alors, malgré cela, on peut définir un profil de ces travailleuses. La plupart d'entre elles appartiennent à la tranche d'âge des 15-45 ans. Elles sont entrées dans l'industrie souvent au départ comme des adolescentes, notamment chez les musulmanes, mais aujourd'hui, il est interdit de recruter des filles de moins de 18 ans. Aujourd'hui, la majorité d'entre elles ont entre 15 et 25 ans. Et au pic des saisons, notamment, on peut voir près de 12 000 femmes recrutées dans ces usines de chaussures. Dans notre échantillon aussi, on a près de ce 400 ménages, 75% des travailleurs sont recrutés directement, hein, puisqu'il y a une forte offre de main-d'œuvre, de travail, je dirais, et 25% par des agences de recrutement ou des syndicats. Donc, dans ces zones encore très rurales, où l'idéologie patriarcale est très profondément enracinée, finalement, la croissance de la classe salariée féminine, même avec l'exploitation accrue qu'elle implique, peut être un facteur, paradoxalement, d'autonomisation. Donc, les principales raisons qui font qu'elle travaille en dépit de mauvaises conditions, c'est le fait qu'elle puisse sortir de leur maison, d'échapper au contrôle exercé par leur famille et leurs voisins. Ce sont des pratiques, je dirais, de résilience, en effet. Ces villes donc ont une base économique résiliente robuste, comme on le voit, et sont reliées au monde globalisé en contournant parfois l'intermédiation de la métropole. Cette résilience urbaine concernant ce Ranipet se compose exclusivement d'une économie urbaine flexible, capable de s'adapter dans un contexte d'incertitude et de mauvaise gouvernance. En fait, c'est le capital social et les politiques publiques, le capitalisme local et le travail des femmes qui sont finalement les principaux facteurs qui distinguent ces villes résilientes de celles qui sont incapable de se remettre donc de la crise économique. Il serait intéressant de tester ce cadre de la résilience dans d'autres villes industrielles. Voilà donc la bibliographie qui a fait l'objet donc de ce travail. Je vous remercie. Merci Kamala. Est-ce que tu veux prendre la parole quelques minutes pour... C'est vrai que c'est toujours très rapide hein, donc, d'intervenir en quelques minutes. Donc là, vous aurez compris, c'est un travail. En fait, au départ, c'était sur plusieurs programmes de recherche. Il y a d'abord, j'avais commencé à travailler avec le CNRS dans les débuts des années 2000 avec une autre collègue sur le fait qu'il y ait beaucoup d'offres de travail pour les femmes. Hein. Vous avez compris qu'on est dans une région quasiment rurale, hein, je dirais, avec une société patriarcale extrêmement plus forte, d'autant qu'on est dans une société musulmane. Donc, ce qui m'avait impressionné, c'est de voir autant de musulmanes aller travailler à l'usine, déjà, alors qu'il y a une société où les femmes ne travaillent pas. Donc, on comprend bien que c'est la pauvreté, en fait, qui oblige ces femmes à aller travailler en usine. Et ce que je n'ai pas eu le temps de dire, justement, c'est que ces femmes avaient toute la burqa. Vous avez vu la dernière image où on voit ces femmes. Il y a une hindoue et une musulmane. La musulmane va travailler justement avec cette burqa. Et donc, moi, ça m'a interpellée. Et ces femmes me disaient, mais pour nous, c'est la seule manière, c'est une façon de contourner justement le regard des hommes. C'est une manière de pouvoir aller travailler malgré le regard des hommes et grâce à cette burqa. Donc, voilà. Donc, on avait commencé à travailler sur ça. Et puis, dans un deuxième temps, on a eu un financement de l'Agence nationale de la recherche pour travailler sur les petites villes, justement, suite à un gros travail qu'on avait mené avec des collègues pour montrer que l'urbanisation en Inde était beaucoup plus importante qu'on ne le dit.
puisqu'on a ce chiffre de 33% seulement d'urbanisation en Inde, alors que nous, on a pu démontrer grâce à Google Earth au recensement, parce que l'Inde a une définition de la ville unique au monde. Hein, donc, il y a plusieurs critères. Hein, il faut que 75% de la population active masculine travaille en dehors de l'agriculture. Donc, vous voyez bien que ça biaise d'emblée les données sur l'urbanisation. Donc, on avait démontré dans un autre programme que justement, l'Inde était au moins urbaine à 40%. Hein, le taux d'urbanisation est plus élevé grâce à Google Earth, en prenant la définition tout simplement de notre définition qui était recommandée par l'ONU, à savoir un minimum de 10 000 habitants et surtout prendre la continuité du bâti. Et en fait, en Inde, les villes s'étalent énormément. Hein, donc, on a non seulement des grosses agglomérations, mais on a aussi des petites agglomérations. Et donc, nous, notre travail dans un premier temps, c'est IGéopolis a démontré qu'il y avait en fait énormément de petites agglomérations qu'on n'avait pas appréhendées si on prenait le recensement indien ou les données de l'ONU, qui sont complètement biaisées en fait, parce que l'ONU récupère que les données urbaines des recensements. Alors, le recensement, il n'est pas du tout le même en Inde qu'en Chine, qu'au Brésil, etc. Donc après, dans un deuxième temps, on a eu un autre financement qui nous a permis, on s'est dit, mais que se passe-t-il dans ces petites agglomérations dont on ne parle pas du tout? Et voilà, donc j'avais repris donc ce travail sur cette ville pour voir comment ces villes, malgré tout, c'était après la crise économique de 2008, comment finalement ces villes se sont adaptées. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a aussi une dimension historique, je n'ai pas eu le temps de le développer, c'est-à-dire que c'est une région déjà qui était traditionnellement du cuir, parce que les Anglais, au moment de la colonisation, importaient déjà beaucoup de cuir. Donc, ils avaient localisé ce cluster à l'époque, et c'est vrai qu'il y avait déjà une dynamique endogène au départ, puisque le Tamil Nadu n'est pas musulman du tout, mais cette zone-là, il y avait effectivement beaucoup de musulmans. Aujourd'hui, les hindous travaillent le cuir aussi, hein, malgré le fait que la vache soit sacrée. Voilà, les choses ont évolué par la suite. Et donc, c'est ce que j'ai voulu comprendre, comment, malgré les crises successives, ce cluster du cuir était résilient et continuait à survivre malgré tout, grâce, je vous ai dit, à un capitalisme local extrêmement important, lié à ces familles d'entrepreneurs hein, qui sont très anciennes, qui datent déjà dès le 19e siècle. Et ces mêmes familles, finalement, ont toujours, c'est ce qu'on appelle en Inde, c'est le capitalisme familial est extrêmement important. Et là, à l'échelle de ce district, et ce qui m'a frappé quand j'ai interrogé ces entrepreneurs, vous avez vu que 90% habitent dans cette agglomération. C'est ça qui m'a frappé. Ils sont ni à Chennai, ni à Bangalore, puisque c'est au milieu, justement, à 100 km de part et d'autre. Donc, c'est ça qui était intéressant. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans notre travail de recherche avec plusieurs collègues. D'autres collègues ont travaillé sur d'autres villes aussi. Voilà, donc chacun, on a apporté notre pierre. Voilà. On travaille peu sur ces petites villes. On travaille peu en Inde. On parle de Bombay, de Mumbai, de Delhi, de Bangalore, de Chennai, et on oublie. Personne ne connaît Rani Pet, sauf qu'elle est dans le top 10 des villes les plus polluées du monde. Voilà, donc c'est pour ça. Voilà, donc je crois. Merci beaucoup. Merci, vraiment, merci Kamala pour cette présentation et puis pour ces compléments qui permettent bien de comprendre la présentation et de réfléchir à la résilience. Bon, on va passer à la dernière vidéo hein, qui est la mienne et qui concerne Hambourg et on pourra après entamer les discussions. Bonjour à toutes, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente rapidement, je suis Patricia Zander de l'Université de Strasbourg, je suis géographe et je suis vraiment ravie de pouvoir partager avec vous les résultats de mes travaux sur Hambourg au travers de cette question de la résilience par la réinvention du couple densité-diversité urbaine. Alors, quelques mots concernant Hambourg. Et un cadrage de départ, Hambourg, c'est une métropole européenne en crise et qui doit aujourd'hui se renouveler, c'est ce qu'on va voir. Il y a des actions qui ont été menées qui s'apparentent à l'activation de processus de résilience. Ce que j'entends ici comme une réponse à des perturbations qui permettent à un système de retrouver ses fonctions. Alors, c'est une métropole qui a connu des graves crises au cours de son histoire récente, c'est ce qu'on va voir dans la partie 1 de l'exposé, qui propose finalement des réponses, c'est la partie 2, et des réponses qui ont des limites,
notamment en matière d'inclusion de la ville ordinaire et notamment en matière justement de réinvention du couple densité-diversité. En termes de méthodologie, moi je m'appuie sur une enquête qui a été menée en 2015 avec beaucoup d'observations de terrain qui ont été très riches, des entretiens et une synthèse de documents scientifiques et de littérature grise, littérature qui est très abondante. Alors Hambourg, c'est quoi ? Hambourg, c'est d'abord une ville-port. C'est une porte urbaine sur le monde, c'est sa devise, et cette porte urbaine sur le monde est aujourd'hui en crise. C'est une ville qui est née au IXe siècle, qui a une population d'1,8 million d'habitants sur un petit territoire de 755 km², mais un petit territoire qui a une puissance politique, je dirais hors du commun, avec un statut de ville-État dans un État fédéral. Donc une capacité à produire des réponses justement en cas de crise. Et donc pour rappel, Hambourg se situe au nord de l'Europe, à 100 km à l'intérieur des terres, et c'est un ensemble urbain, un territoire qui s'organise de manière assez simple avec sur des terrasses à l'abri des inondations, la vieille ville et les développements de la ville au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Il y a l'Elbe et le port qui se situent au sud et plus au sud encore, l'île d'Elbe, qui est l'objet aujourd'hui de toutes les attentions. C'est un territoire urbain qui est traversé par une identité portuaire extrêmement forte. Ça se lit dans les paysages, ça se lit dans le paysage urbain, ça porte les marques. En particulier, il y a ces entrepôts, ce quartier des entrepôts et ce premier quartier d'affaires européen qui a été des quartiers qui ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO et qui sont une marque de l'esprit entrepreneurial de cette population hambourgeoise. Alors, ce port qui traverse et qui est vecteur d'identité territoriale a été aussi à l'origine de crises majeures et de résilience, d'appel à la résilience pour ce territoire. C'est l'opération Gomorre en 1943, qui est un traumatisme épouvantable et qui fait l'objet encore de déni de la part des Hambourgeois. C'est aussi des inondations à travers l'Elbe, malgré tout, des inondations qui sont meurtrières et qui ont frappé notamment la ville dans les années 1960. Alors aujourd'hui, Hambourg est semé à l'heure métropolitaine, ce port qui est toujours ouvert sur le monde doit plus que jamais s'insérer finalement dans un monde en réseau qui se renouvelle. Cette obligation se double d'une obligation à l'échelle de la région métropolitaine qui a été définie au niveau européen et au niveau allemand. Hambourg est capitale d'une région métropolitaine de plus de 5 millions d'habitants et une région métropolitaine qui est donc monocentrique et qui a la caractéristique d'être divisée, d'appartenir à différents länders. Ce qui constitue en fait un élément de fragmentation. Donc un rôle important pour Hambourg qui doit fédérer finalement cette région métropolitaine. Et donc cette ville-port, elle doit plus que jamais assurer son rang de rayonnement international, son rang de ville et de métropole important. Et c'est un port aujourd'hui qui est justement inadapté, avec une rade qui est insuffisante, inadaptée aux géants de la mer. C'est une population qui est vieillissante, qui ne renouvelle pas par sa natalité, et donc avec l'obligation d'une nouvelle politique de peuplement. C'est bien sûr aussi une crise environnementale qui est latente, avec des risques liés au rehaussement du niveau des mers. Face à ces crises, différents leviers sont activés, et notamment ce qui nous intéresse pour réinventer le couple densité-diversité. Il y a d'abord, dès les années 80, un projet politique qui voit le jour, c'est le territoire vu comme une entreprise, l'entreprise Hambourg, en 1983, auxquelles suivent finalement différentes politiques qui répondent toujours à la même logique, c'est la ville en croissance, la ville créative, on retrouve Florida, la ville des talents, bref, la métropole attractive, la métropole créative. Et ceci se traduit finalement par des projets et par des réalisations sociales, spatiales, des aménagements. En termes de centralité,
Il faut renouveler la fonction portuaire, l'adapter aux conditions du 21e siècle, de nouveaux espaces résidentiels pour accueillir ces acteurs de la ville créative en croissance. Et puis enfin, ce sont des actions qui sont menées auprès de la population, en particulier la population la plus modeste, pour renouveler ce couple diversité-densité. Alors ceci, on le voit au travers du projet métropolitain dont vous avez la carte sous les yeux. Alors, pour la ville existante sur les terrasses au nord, on retrouve une devise, une ligne de conduite d'ici 2030, plus de villes dans la ville. Et ceci passe notamment par la construction d'un nouveau quartier sur des friches portuaires contiguës à la ville ancienne, un quartier qui va donner une nouvelle dimension, un nouvel aura à ce territoire portuaire. C'est un nouveau Hafen City, c'est un nouveau quartier portuaire, ou en tout cas un quartier portuaire d'un nouveau type, où se mêlent port de plaisance, espace ludique, mais bien sûr aussi beaucoup de bureaux et d'emplois de très très haut niveau qui doivent assurer à Hambourg son rang de métropole européenne. Mais il s'agit aussi de conquérir de nouveaux espaces pour permettre à une population de s'installer, et c'est notamment la conquête de l'île d'Elbe et ce saut par-dessus l'Elbe qui a été réalisé au début du XXIe siècle en ayant recours à une procédure particulière qui est l'IBA, International Bauausstellung, Exposition internationale d'architecture. Et durant 7 ans, de 2007 à 2013, différentes opérations sont menées, souvent en dehors des règles traditionnelles, c'est l'objet de l'IBA, notamment à travers un axe de travail qui est Cosmopolis, penser la métropole comme un creuset du monde, organiser cette diversité cette densité aussi, pour favoriser l'épanouissement urbain métropolitain, bien sûr. Et l'île d'Elbe, qu'il faut conquérir, c'est un espace de relégation qui a accueilli des populations pauvres de l'habitat social et qui fait l'objet aujourd'hui d'implantation de nouveaux bâtiments, vous le voyez, high-tech, des logements adaptés aux nouvelles conditions, pour accueillir finalement une population de cadres supérieurs qui doivent favoriser la ville créative. Et pour les populations qui étaient déjà présentes, il y a rénovation du logement social, réaménagement des espaces publics, bref, une île qui trouve un tout autre visage et un autre visage et une population qui, avec laquelle on va travailler d'une manière originale à cette époque avec l'IBA, avec notamment la mobilisation d'équipes de techniciens et de chercheurs qui vont travailler en étroite collaboration avec cette population pour lui donner un sentiment d'appartenance à ce nouveau quartier. Alors, travailler avec les habitants, oui, pour façonner un nouveau quartier, est-ce que ce n'est pas excluant? Quelles sont les limites? C'est l'objet de ma toute dernière partie, je vais aller très vite. On retrouve des critiques par rapport à ces travaux et par rapport à ces réalisations, notamment une mise en scène du cosmopolitisme, dans la mesure où finalement ces populations anciennes et ces populations nouvelles ne font que se côtoyer, la population ancienne pouvant être exclue malgré tout par des processus inéluctables de gentrification. Ceci passe notamment par des dispositifs nouveaux, des partenariats nouveaux qui permettent en fait la rénovation d'espaces publics et l'initiation de processus de gentrification inéluctables. Donc en conclusion, on a un système actuel qui continue à favoriser l'exclusion et qui est constaté aujourd'hui et qui ne résout pas les problèmes. Et se pose la question de l'alternative par le bas, comment travailler avec la population, comment laisser une place politique réelle à la population et à des propositions alternatives. Je vous remercie, quelques éléments bibliographiques qui ont été utilisés, mobilisés pour cette présentation. Merci à vous. Je vais essayer d'être très brève parce qu'effectivement c'est toujours très court, on est toujours très frustré.
Simplement de dire qu'effectivement, le cas de Hambourg me semble un cas extrêmement intéressant aujourd'hui, dans la mesure où c'est un territoire qui renouvelle finalement sa fonction portuaire en la transformant, en lui en donnant une nouvelle dimension qui est adaptée au XXIe siècle, qui a cherché à travailler effectivement de manière assez originale, de façon à pouvoir installer, créer un pôle métropolitain qui combine finalement une diversité sociale et grâce à des opérations, grâce à un projet politique, grâce aussi à des mesures politiques. Et on pourra y revenir, mais on retrouve aujourd'hui des phénomènes d'éviction, malheureusement, qui sont liés effectivement à cette espèce de... Puis-je vous aider ? Je sais pas, là, je suis interrompue par Siri qui vient de me demander. Enfin bref, oui, je vais vite terminer en disant que des processus d'éviction des populations les plus modestes sont en cours malgré tout, malgré des mesures politiques, malgré des contrats. On pourra y revenir. Il y a une sorte de logique de cette gentrification et de cette population qui va se renouveler. Voilà, je m'arrête ici et je laisse la place à la discussion. Et peut-être que dans ce cadre-là, John, je te laisse la parole peut-être pour réagir par rapport à ça, ou alors j'introduis peut-être cette question de la résilience, c'est comme tu veux. Il nous reste une dizaine de minutes. Enfin, je ne vais pas faire de commentaires sur ces trois études extrêmement intéressantes. Je les trouve très intéressantes, les trois. J'avais des questions qui m'arrivent comme ça sur ces cas, en commençant avec l'étude de Geraldine Jament. Est-ce qu'on parle d'une exception en parlant de cette qualité architecturale assez exceptionnelle? Et je me demandais, parce que j'ai déjà fait visite à plusieurs de ces grands projets à l'extérieur, domiciliaires à l'extérieur de Paris ou dans la banlieue de Paris, comme Sarcelles, par exemple. Est-ce que ça pourrait s'appliquer à un cas comme Sarcelles? Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Sarcelles, mais tout le monde en parle. Voilà. Donc, il y a ça. Quel rôle cette fierté de l'habitat pourrait avoir pour la redynamisation sociale et peut-être économique? Est-ce que les gens se sentent plus impliqués? Est-ce qu'ils vont faire des efforts? Parce que souvent, ce qui est le cas quand on est exclu, quand on est rendu marginal, on laisse aller. Donc, c'était la question concernant ce logement social de qualité. C'était votre mot, en fait, de qualité. Très brièvement, je vais passer à deux autres questions et comme ça, il nous restera un peu de temps. Juste une petite précision. On a encore une demi-heure après. Ah oui? Oui, on est jusqu'à 12h30 pour ah bon? Montréal. D'accord, ben, tant mieux. On a un petit peu de marge. D'accord. Mais je vais faire comme ça tout de même. Si vous voulez revenir sur ces questions ou si on parle plus généralement de la résilience, comme tu suggères, Patricia, ça me va aussi. Pour l'étude de Kamala Marius, en parlant de capitalisme local, je me demandais si c'est quand même, c'est une population ouvrière assez importante, 82 000 personnes et beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'ils sont voués à rester économiquement à la base de cette chaîne d'approvisionnement en cuir? Il y a déjà une masse importante d'activités là et un équipement assez avancé, comme nous avons vu.
Mais peut-être, je n'ai pas tout à fait saisi, mais quand on exporte du cuir comme ça, on perd un peu de la valeur ajoutée que l'on pourrait capturer si on avait une production plus avancée localement. Donc, c'est simplement ça. Est-ce qu'il reste à la base économiquement? Et Patricia, je t'ai déjà dit mes questions. Cette question de gentrification inévitable, ça m'intrigue. Parce que oui, on sait très bien que quand on essaie de renouveler, quand on essaie de restaurer les vieux bâtiments, quand on développe un nouveau quartier assez haut de gamme, il me semble, je ne l'ai pas visité, mais ça a l'air assez haut de gamme, il y a des retombées sur les quartiers avoisinants et peut-être aussi une perte de population. Donc, cette question, pourquoi la gentrification est inévitable? Et cette dénatalité amène une nouvelle politique de peuplement. Est-ce que c'est simplement par le moyen de ces projets comme le Hafen City qu'on fait cet effort de repeuplement de la ville? Donc, c'était simplement et rapidement mes trois questions. Merci beaucoup. On va peut-être passer la parole. On fait l'ordre. Peut-être Géraldine, si tu veux bien répondre. Micro. Ton micro. Voilà, excusez-moi. Merci beaucoup, John Zacharias, pour vos questions qui vont me permettre de développer certains points que je n'ai pas eu le temps d'aborder dans les 12 minutes imparties. Alors, vous posez effectivement une question très importante pour la patrimonialisation du logement social, qui est celle de la qualité architecturale exceptionnelle. Le cas de Sarcelles est effectivement un des plus emblématiques à l'échelle française, voire internationale. Le supposé mal des grands ensembles, donc la sarcellite, venant du nom du quartier de grand ensemble de Sarcelles. Il faut savoir qu'à Sarcelles, le grand ensemble, donc issu du plan courant, a fait l'objet d'une patrimonialisation par la direction régionale, par la DRAC d'Île-de-France, en 2008, au titre du label Patrimoine 20e siècle, qui aujourd'hui, depuis 2016, est devenu le label Architecture contemporaine remarquable. Donc, il y a bien eu patrimonialisation du grand ensemble de Sarcelles du fait de la reconnaissance par des experts, non pas tant forcément de la qualité architecturale, mais en tout cas d'un témoignage symbolique d'un grand moment de l'histoire de France, avec des historiens qui rappellent que malgré l'imaginaire aujourd'hui souvent dépréciatif des grands ensembles, ils ont permis au plus grand nombre d'accéder au confort moderne à l'époque. Et donc, on a eu une patrimonialisation par expertise récente du grand ensemble de Sarcelles, donc ce qui peut sembler paradoxal. Ceci dit, je ne suis pas sûre que ça ait eu beaucoup d'impact, je dirais, sur le terrain. Alors, sachant que je n'ai pas étudié ce cas moi-même, donc cela mériterait de plus amples investigations. Ceci dit, je crois que peu après la construction du grand ensemble de Sarcelles, il y avait eu des mobilisations de résidents qui tentaient de
de s'approprier le nouveau quartier, notamment en réclamant des équipements. Et certains s'étaient organisés entre eux, par exemple, pour ouvrir une crèche permettant de pallier au provisoire manque d'équipement du quartier. Voilà sur le cas de Sarcelles. Donc, il y a à la fois une patrimonialisation par expertise et, je dirais, des tentatives habitantes. Alors, sur la période plus récente, il faudrait voir effectivement ce qu'il en est. Par ailleurs, effectivement, en termes architectural et urbanistique, le cas de Sarcelles donc, est emblématique, je dirais, de l'architecture moderne associée à la charte d'Athènes, qui, depuis le début des années 70, sont plutôt décriées, ce qui n'est effectivement pas le cas des deux quartiers que j'ai présentés. Néanmoins, une association comme Docomomo défend l'architecture moderne. Il y a aussi des réévaluations à ce sujet. Donc, je crois qu'on peut dire déjà qu'il y a certains logements sociaux qui ont été reconnus au moins par des experts, non pas pour leur qualité architecturale exceptionnelle, mais au contraire au titre d'éléments typiques en fait, de l'histoire de France. Réciproquement, on peut dire que certains quartiers de logements sociaux qui présentent une qualité architecturale exceptionnelle, eux, ne font pas forcément donc l'objet d'une patrimonialisation comparable aux deux quartiers que je vous ai présentés. Ainsi, donc toutes les cités-jardins ne sont pas protégées, notamment par les institutions patrimoniales, donc elles sont de plus en plus reconnues. Les institutions patrimoniales françaises les ont reconnues à partir des années 1970-80 au titre des sites donc à Stein ou au titre des ZPPAUP, etc., donc suivant différents dispositifs. Plusieurs cités-jardins ont été reconnus récemment en Ile-de-France donc, au titre du label patrimoine d'intérêt régional. Je dirais que on a eu de ce point de vue-là une patrimonialisation qui a progressé du point de vue institutionnel. Néanmoins, on n'a pas forcément une patrimonialisation par les habitants ou par tous les habitants, même quand on a une qualité architecturale exceptionnelle. Par exemple, en ce qui concerne l'architecture renaudienne que j'ai décrite à la Maladrerie, d'autres quartiers tout à fait comparables architecturalement ont pu se voir dénier toute valeur patrimoniale. Je pense notamment malheureusement à la Cité des Poètes à Pierrefitte qui a été détruite malgré une mobilisation patrimoniale d'experts et également de certains habitants. Je dirais que la qualité architecturale joue bien sûr un rôle, mais qui n'est pas forcément le principal critère discriminant. Et il me semble plutôt que c'est la question des acteurs et des destinataires de la patrimonialisation en fait, qui fait la différence. En fait, effectivement, les deux cas que je vous ai présentés présentent depuis l'origine une qualité architecturale qui a été perpétuée au fil du temps ou réactivée dans le cas de la cité jardin de Stein relativement récemment. Donc ça, c'est indubitable dans ces deux cas. Mais ce qui est important, c'est surtout qu'il y a eu un modèle social qui a été perpétué dans les deux cas. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a une patrimonialisation par appropriation d'au moins une partie des habitants. Sachant que dans certains cas, la patrimonialisation par les habitants peut ne pas forcément être première, comme c'est en partie le cas dans les deux cas que je vous ai présentés, elle peut aussi être seconde, notamment quand des institutions locales ont le souci de porter un modèle architectural et social qu'ils vont donc par là permettre aux habitants du logement social de se réapproprier des quartiers qui sont plutôt dépréciés.
C'est le cas, par exemple, sur mon terrain, donc toujours en banlieue nord de Paris, de la cité Renaudie de Villetaneuse, qui présente exactement les mêmes caractéristiques architecturales que la Maladrerie, où là, la patrimonialisation a été lancée essentiellement par des experts et reprise par les institutions locales, et où il y a tout un travail pour faire participer les habitants en leur faisant prendre conscience justement du modèle social et architectural dont ils bénéficient, en les impliquant dans les travaux de jardinage, etc. Et quand vous parlez de l'impact sur, pour la redynamisation pardon, sociale et économique de ces quartiers, alors... dans les deux cas que j'ai étudiés, il y a une forte implication des habitants donc, qui ont eux-mêmes, au moins pour certains, patrimonialisé leur logement, donc qui s'impliquent pour transmettre ce modèle de logement social. Et on notera que dans les deux quartiers que j'ai décrits, en fait, les enfants cherchent à rester dans le quartier où ont vécu leurs parents, ce qui est un petit peu paradoxal dans les quartiers de logement social où souvent on a les plus favorisés qui cherchent à quitter les logements. Et là, au contraire, on note que les enfants sont attachés au cadre de vie et devenus adultes, souvent restent dans le quartier. Le fait qu'il y ait aussi beaucoup d'équipements sociaux et culturels dans ces quartiers est aussi un facteur de redynamisation sociale et économique. Donc, bien sûr, la patrimonialisation ne peut pas totalement changer le contexte économique global, mais elle peut changer le regard des habitants elle peut aussi changer, je dirais, la ville ordinaire, une ville qui propose des équipements à tous ses habitants et des quartiers aussi vont se côtoyer des habitants très populaires et un petit peu d'habitants plus aisés. Voilà, je m'excuse d'avoir été si longue sur le sujet. Non, mais c'est très bien, c'est très bien comme réponse. Je viens de voir qu'on va fermer la salle à midi 15 à Montréal. Wow. Oui, donc il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ben oui, effectivement. Bon, c'est à toi, Patricia, pour décider comment non, on va procéder. On continue sur les questions d'accord, que tu as posées, très bien. Si ça oui, tombe oui. bien, c'est... Okay. Oui, oui, on fait comme ça. Si Kamala veut bien... Kamala? Oui, oui, votre question est tout à fait pertinente parce qu'il faut savoir qu'au moment où j'ai fait ce travail, on était 2012, 2013, 2014, hein, donc c'est bien avant la période Covid, et vous aurez bien compris, 85 000 emplois, ça me paraissait effectivement très important, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que le cuir, il y avait aussi il y a une industrie publique d'électricité qui n'était pas loin, qui emploie énormément d'ouvriers, hein, donc ça s'ajoute. Et ce qu'il faut savoir quand je parle de capitalisme local, il y a énormément de tanneries. Il y a des centaines de tanneries. Et vous savez bien qu'à partir du moment où la demande en cuir est moins importante, forcément, les exportations seront moindres. Je suppose qu'avec la crise et la pandémie, par exemple, forcément, on va avoir une baisse de l'emploi. Hein, ça paraît évident. Donc, effectivement, il y a quand même une dépendance à la demande française, allemande, etc. Mais ce que font ces entrepreneurs, c'est qu'ils profitent du marché local, domestique. En fait, en Inde, on voit très bien qu'à la différence, par exemple, de la Chine, souvent, les produits, en fait, sont vendus après aux Indiens. Et il y a un marché absolument énorme. Et en fait, ils arrivent à écouler leurs produits, qui ne sont pas forcément… C'est souvent, d'ailleurs, ils ne répondent pas forcément aux normes occidentales, mais on voit bien que finalement, ça permet… Et c'est une forme de résilience, là aussi, c'est qu'il y a un marché domestique extrêmement important en Inde qui compense un peu ses pertes en termes d'exportation. Donc, je pense que c'est cette dynamique endogène qui date du 19e siècle qui fait que ce cluster existe. Moi, ce qui m'avait frappé dans mes enquêtes, c'est que quand, par exemple, on allait interviewer des gens à 50 km de ce cluster, parce qu'il y a un center leader, le centre du cuir qui est à Chennai, qui incite par exemple des industriels à se dire ben voilà, il y a une compétence à ce niveau-là, installez-vous à 50 km en dehors de ce cluster, à 50 km de par exemple de Ranipet, dans le district voisin. Et ça ne marche pas, parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a une
dynamique endogène qui fait cette résilience-là. Vous ne pouvez pas dire, ben, on va décider de faire un cluster du cuir pour l'exportation à un autre endroit, ça ne marche pas. Donc ça, c'est très, très clair. Hein. Donc, d'où l'importance du capitalisme local, il est absolument, c'est ce qui fait la force de la résilience, finalement, de ce cluster du cuir. Et la population qui est clé dans cette activité, c'est la population. Hein. La population et les femmes, hein, notamment. Et les femmes. Et les femmes. Voilà, c'est ça qui est. Les femmes, les usines de chaussures, j'ai visité ces usines, elles sont 1000 dedans. Il y a jusqu'à 1000 femmes, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est. Alors on peut le voir sous deux angles. Moi, quand j'ai commencé mon travail, j'avais une vision très. Européo-centré, ethno-centré, en me disant mais ces femmes, elles sont hyper exploitées, c'est scandaleux, on les paye que l'équivalent de 100 euros par mois, c'est pas possible. Et en fait, quand on interroge ces femmes, vous avez vu, on a fait des entretiens, mais pour elles, c'est une manière de sortir de leur maison, et surtout les musulmanes où il y a le pourda, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de sortir. Et pour elles, c'est une façon d'échapper un peu à ce contrôle social, vous voyez ce que je veux dire. Et ça m'a frappée. Et surtout, aller travailler à l'usine et pas travailler dans les champs. Leur mère travaille dans les champs, leur fille travaille à l'usine et maintenant, la génération suivante travaille dans les call centers. C'est incroyable, cette mobilité intergénérationnelle. Et jamais ces filles-là vont aller dans les champs comme leur mère. Hein. Je vous ai dit, on est dans une zone, l'agriculture est très présente aussi. Voilà. Donc, c'est très intéressant. C'est un cas à suivre parce que dès qu'elles ont un peu de capital, elles feront quelque chose avec cette capitale. Voilà, exactement. Excellent. Alors là, en Inde, c'est paradoxal, John, parce que dans la société indienne, en fait, ces femmes, je leur ai demandé, elles arrivent à travailler jusqu'à 26, 27 ans. C'est très tard, parce que l'âge moyen du mariage est à 18 ans. Mais ce travail leur permet finalement de travailler plus longtemps. Mais alors, je leur dis pourquoi. En fait, hélas, ce capital, c'est pour la dot. Vous voyez, ça aussi, c'est le paradoxe. Voilà. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un fléau en Inde, la dot. Merci pour ça. Patricia, juste avant que tu prennes la parole, je vais passer le message qu'il y aura une session pour la récompense, the awards ceremony. Aujourd'hui, à 12h30, je pense que c'est la raison qu'on va fermer cette salle à 12h15. Et l'autre message que je voulais transmettre à vous trois, c'est la nouvelle date de tombée pour les soumissions afin d'être considéré pour le livre de Springer. C'est le 31 août maintenant. Le 31 août. Donc, si vous voulez bien, on a trois... Très bonnes études qui pourraient être considérées. Bon, je laisse la parole à Patricia. Salut. Merci beaucoup. Merci John pour ces précisions parce que c'est vrai que c'est intéressant. Je vais essayer en deux minutes de répondre à ta question concernant la gentrification que je présente effectivement comme étant un processus. En tout cas, si ce n'est pas inévitable, le terme n'est peut-être pas très juste, mais en tout cas, c'est un processus qui agit comme un bulldozer et contre lequel on a très peu, il nous semble qu'il y ait peu de moyens, justement, de résistance, en quelque sorte, de résistance à la fois politique et de résistance de la part aussi des populations les plus modestes ou des populations qui cherchent à, justement, créer un tissu social, à maintenir un tissu social diversifié. La caractéristique de Hambourg, ville portuaire, c'est qu'effectivement, il y a une population, une tradition ouvrière importante, il y a eu des idées, il y a des idées contestataires très fortes, et on a des îlots à l'intérieur du territoire qui sont des îlots de résistance et de contestation. On l'a vu notamment, par exemple, avec des phénomènes de manifestation, des oppositions qui peuvent être violentes, qui sont très organisées. Et,
Et ceci, malgré tout, et ça a été bien pointé dans un rapport de l'OCDE, actuellement, le problème de Hambourg, c'est l'éviction justement de ces populations les plus modestes. Alors pourquoi ? C'est vrai que je vous ai montré le quartier de Hafen City, qui est un quartier, bon, impossible de se loger à Hafen City avec un prix du mètre carré qui est entre 8 000 et 10 000 euros le mètre carré, c'est pas possible. Donc, il y a déjà cette emprise de ce quartier-là qui attire une population très, très, très plutôt aisée. Et puis, il y a tout un travail, je vous ai dit, à travers renouveler la ville, en tout cas plus de villes dans la ville. Ça passe aussi par des partenariats. Je l'ai montré très rapidement avec IKEA. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur la photo parce que c'est un réaménagement du quartier d'Altona, qui se trouve donc à l'ouest du centre de Hambourg, et où il y a ce partenariat qui permet d'initier en fait une rénovation du centre de ce quartier, et à la limite de ce qui a été réaménagé par IKEA, eh bien, on a un patrimoine qui est en déshérence, mais qui est en train d'être approprié progressivement par des promoteurs immobiliers. D'où l'éviction. Altona, c'est un quartier populaire, l'éviction de cette population qui va se reporter sur d'autres quartiers, notamment sur le quartier sur le nouveau quartier de Wilhelmsburg, où là où il y a des opérations de maintien de la population, mais avec toujours le même problème, moi, que j'observe partout, ça m'intéresse, quand il y a rénovation, il y a forcément augmentation, même mineure, des loyers, et donc des populations qui vont être rapidement remplacées, et notamment là à Hambourg, ce qui est dénoncé par des voies alternatives, c'est des populations étrangères qui sont remplacées par des populations, allez, j'ai envie de dire, indigènes, locales. Donc, des processus en chaîne qui s'imbriquent pour effectivement créer cette situation. Et bon, je ne peux pas parler des mesures politiques qui sont prises avec des contrats qui sont passés avec des fonds d'investissement, notamment des fonds d'investissement américains qui ont racheté pour rénover, entretenir des quartiers d'habitation populaire et qui les ont abandonnés pour des profits à très court terme. Voilà, je vois qu'il est 18h16, enfin 18h16, il est 12h16, on est obligé de terminer. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, voilà, c'était un peu dans ces conditions d'urgence, quelques précisions que je pouvais donner. Merci beaucoup, Patricia, pour avoir organisé cette session extrêmement intéressante. Et merci enfin, à toi. Tout était vraiment relié ensemble. Excellent. On aurait pu continuer pendant des heures, sans doute. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci encore à toi, John, d'avoir accepté et d'avoir nourri la discussion. Merci à Kamala, merci à Géraldine. Merci à vous tous. C'était intéressant parce que ça nous a donné l'occasion de discuter alors qu'on se connaît par ailleurs, mais on a peu l'occasion d'échanger. Oui. Tout à fait. Peut-être à tout à l'heure, alors dans le cadre de la fermeture, en tout cas de la fin de ICASU. Merci à tout le monde. Hein, merci. Encore. Merci. Au revoir. Au revoir, John. Au revoir, Géraldine. Au revoir. Merci.